Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne New Belge Activity. Ce soir, je vous annonce un petit live. Tout doucement, on va commencer avec ce que je fais découverte de la journée, le Wiki V-Jump hors collection. On va un petit peu enseigner un petit peu le jeu. J'ai un petit peu joué. Franchement, le jeu est super sympa. Vraiment. Déjà développé par Freeware, au cas où c'est pas leur premier jeu. D'ailleurs, ils ont développé un autre jeu qui est super bon aussi, c'est le Super Sentai Legend Wars, qui est très bon jeu. D'ailleurs, ce jeu, il y a plein de Power Rangers. Et bien sûr, par après, on va faire tout One Piece, tout The Storm par la suite. Pour farmer, je suis en train de farmer l'espèce de pour réveiller l'espèce de Ace, tout simplement. Donc, toujours hors collection, on va continuer à farmer un petit peu toute l'aventure, et sur One Piece, on va farmer un petit peu. Donc, je vous attends nombreux et nombreux ce soir. Si vous voulez, je vous mets le lien de la vidéo qui est un petit peu long, je pense qu'on aurait fait court, mais. C'est assez long. Hors collection, si vous voulez, je vous représente ce soir. Si vous connaissez le jeu, franchement, ce jeu est très beau. Ça, y a rien à dire. Franchement, quand c'est Treeware qui développe, en général, ça tombe quand même du beau. Pourquoi eux font des bons jeux? Hein, go, hein, les Treeware, c'est ceux qui ont développé. Budokai, Dragon Ball Budokai, Super Saiyan 2, PlayStation 2. Donc, tout ça donc pas du bon. La part de Treeware. Donc, j'attends dans quelques minutes, je lance le live. A tout à l'heure.